Dans le cadre de la Task Force sur la dette intérieure, plusieurs chantiers abandonnés par certaines entreprises avaient été relancés. C'est le cas des axes routiers du 4e et 5e arrondissement de la commune de Libreville, notamment Carrefour Sogatol, Carrefour Ondimba, Carrefour Baraka London et Route Tractafrique, qui ont été réhabilités et livrés le vendredi 29 juillet dernier, à la grande satisfaction du maire du 5e arrondissement, Chadi Moukarim. Vous pouvez aussi constater que suite aux dernières tournées du chef de l'État dans nos quartiers, nous voyons de nombreux axes se rénover, se réhabiliter. La fluidité de la circulation reprend et nous tenons vivement à féliciter le président de la République. Le maire du 4e arrondissement, Axel Jason Ayenoué, qui était également présent à cette manifestation, n'a pas manqué de remercier le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de constater que plus de 10 km de voies ont été complètement réhabilitées. Nous remercions à cet effet le président de la République, chef de l'État, qui a bien entendu instruit le gouvernement de la République à travers sa task force d'avoir un œil sur un bon nombre de voiries urbaines. L'édile du 4e arrondissement a invité la population à ne plus jeter les ordures dans les caniveaux pour éviter les inondations. Les populations aussi ont leur rôle à jouer. Les populations doivent aussi entretenir le caniveau. Les populations doivent veiller à ce que les ordures ne se retrouvent pas dans les caniveaux. Rappelons que ces travaux de réhabilitation des axes routiers du 4e et 5e arrondissement ont été réalisés par l'entreprise Mika Service.